Salut à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. L'a-t-il a fait ? Sur Instagram, à la demande à Zot, si Zot, si vous voulez que m'étais fait une vidéo ou que m'étais fait des stories. Et ça a été nombreux à voter en vidéo sur YouTube. Évidemment, mis à part de Télécréole et de mes vidéos qui passent sur Télécréole et que m'a pas été au courant et que m'y connaît pas une merde de ce qui se passe derrière mon dos. Donc, un jour, m'y reçoit un message sur Instagram. La personne l'a filmé sa télé, en fait. Et m'y voyait ma tête dans la télé de chez la personne sur Télécréole. Comment ça se fait que mes vidéos, ils passent sur Télécréole? M'y reçoit un deuxième message. Troisième message, pareil. Lulu m'a vu de vidéo sur Télécréole. Quatrième, cinquième. M'a l'a reçu énormément de messages de personnes qui l'a vu mes vidéos sur Télécréole, mais allez, Instagram. Sachant que, par exemple, m'y donne à Zot un exemple, Antenne Réunion, là, envoyant un message bien net et précisant que on aimerait diffuser une de tes vidéos sur la télé, est-ce que tu nous autorises? Là, eu l'autorisation, donc elle a dit oui, il n'y a pas de souci. Il y a une mouche depuis tout à l'heure, là, elle est en train de fatiguer mon système nerveux. Télécréole, c'est une chaîne locale qui diffuse des clips, des émissions, et Nena, le moment, je ne rappelle plus comment il appelle, le moment mort MDR du net, mort de rire du net, un affaire net, bien sûr. Zotsi diffuse des vidéos d'humoristes. Oh la mouche sur ma tasse, non, n'importe quoi celle-là. Non, on peut pas n'importe où mais pas sur ma tasse. Télécréole, il diffuse mes fameuses vidéos humoristiques. Et on voit au début là, il disait, bah elle est bien Télécréole, il mène mes vidéos sur la télé. Et il fait partie des humoristes. Même était contente, mais était fière de moi. Oh, je passe à la télé, oh. Il dit là non, il faut envoyer un message à Télécréole en disant oui ou est pas d'accord, qu'il mette une bonne vidéo sur la télé, il faut l'autorisation, les droits d'image, et patati, et patata, et wouloulou, et voilà là. Nous travaillons dans le milieu de l'imagerie, photo, vidéo, tout ça, et nous connaît quand les lois, surtout sur YouTube, en fait, on peut pas prendre des vidéos de personnes comme ça et faire ce que vous voulez. Il faut qu'on ait une autorisation. Évidemment, dit là, il est dans le truc, mais non, il faut la loi, les respecter. Là, du monde, c'est grand chevaux, tac, 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 tac. Et moi, à côté, il me dit, mais non, dit là, laisse tomber, il n'est pas grave. Et un jour, ça, Mirabel m'était à la maison, m'était en train de faire mon petit ménage, plier linge et tout. Et me dit, tiens, moi, va mettre Télécréole, moi, va laisser Télécréole jouer. Parce que ça passe devant la télé, attend ma vidéo passer. Non, il fait mes petites affaires et tout. Et à un certain moment, oh, elle est trop bien, ça va mettre ma vidéo, tout ça, tout ça. Et dans le tout ça là, vous dis pas que m'y voit une affaire bizarre dans le sens que le bonne vidéo avec les images est décalée. Mais décalée de chez décalée, ouais. Et puis un jour, m'y reçoit un message d'une abonnée qui dit à moi, Lulu, regarde. Elle lui envoie à moi un tralé de vidéos. Ouais, net, hein? Enfin bref. Ouais, parce que Mit cache son prénom, c'est pour ça qu'il fait ça. Mais voit tout ça là, c'est des messages qu'elle envoie à moi. Et ma pagaille lit à tout parce que n'a trop. Ça veut dire que Télécréole a fait une soirée spéciale Lululucine 74. Et moi, t'es pas au courant. Ah, je suis choquée. Si moi, n'aurais été au courant, moi, n'aurais fait des stories en mode hé hey, les gars. À soi, Néné, une soirée spéciale Lululucine 74 à toutes mes vidéos qui passent sur Télécréole. Wouhou. T'es pas au courant? Moi, t'es pas au courant. Le Télécréole, il diffuse des vidéos humoristiques, mais également des vlogs. Alors, il faudrait que je t'explique à moi, parce que vlog et vidéo humoristique, c'est pas du tout la même chose, c'est deux choses différentes. Et puis un jour, Colin, il arrive dans le magasin en bas et il dit à moi comment, ouais, nous passe sur Télécréole, ou dis pas moi rien. Mais je dis, ben Colin, moi t'es pas au courant. Mais je t'y rends pas compte en fait, parce que les vlogs, ils durent 15
à 30 minutes. Des vidéos humoristiques qui durent 3 minutes, 1 minute, allez, 5 minutes. Les vlogs que m'a fait quand j'étais Maurice. En plus, il voit encore Héloïse dedans parce que je m'avais pas encore passé en mode de foutage d'Héloïse. Parce que maintenant, ils m'ont pu Héloïse dans mes vlogs. Moi, n'a aucun souci parce que c'est que moi, tout seul. Mais là, c'est toute ma famille. Ils passent sur Télécréole et nous n'est pas au courant de rien. Il doit avoir des gens qu'il fait la programmation. À quel moment la personne, il fait... t'es ben là, nous n'a plus rien pour mettre en diffusion sur Télécréole que ça nous a fait. Ah, ben mettre le bon petit vidéo Lulu974 là. Mettre son bonne vidéo. On va faire pas ça, nous, un peu le temps. Oui, mais patron, on a fait mettre tout son bonne vidéo. Nous fait quoi maintenant? Hein? A plus vidéo? Filmer tout? Mais pas grave, mettre ses vlogs. Fais péter ses vlogs, fais péter où? Mais patron, c'est des vlogs. C'est pas de vidéo qui fait rire. Et pas grave, c'est une vidéo quand même, mettre. Ou bien, n'a un autre écran, il est amoureux de moi. Il aime à moi tellement que lui, il est très fan de ma tête et de mon contenu que lui veut faire, lui veut mettre toutes mes vidéos, tous mes vlogs, tous mes fast cam, tous mes challenges. Allez, mettez. Donc, j'espère que Télécréole, il regarde la vidéo là en mode oh, Lulu a sorti une nouvelle vidéo. Allons regarder, comme ça nous va gagner mettre sur Télécréole. Mais nous, il gagne pas mettre parce qu'il parle de nous. Comme Télécréole, je l'ai pas mis à moi au courant de ce qui se passe. Pourquoi moi, mis ça mettre à Zot au courant de ce que m'y fait, Suzotte? Comprends, on va? Ou a compris ou là? Mais une autre chose aussi que m'aimerait dire à Télécréole. Il faut savoir que nous, les humoristes, comme il dit nous, c'est pas que moi, hein, c'est les autres humoristes de La Réunion. En disant que quand nous publions une vidéo sur nos réseaux sociaux, c'est notre travail. Et Zot, Télécréole, Zot s'y prend nos vidéos, sans, en plus sans demander à nous l'autorisation, enfin à ce qui concerne à moi, et Zot s'y diffuse ça. Sur la télé, la qualité l'a disparu. Fiout, comme par magie. Le son avec l'image l'est décalé. Après, Télécréole. Viens pas dire à moi. Oh, Lulu, quand même, on a du toupé de faire des vidéos et de dire des choses comme ça sur nous. Quand même, nous prend le temps de prendre notre vidéo et de diffuser ça sur la télé. Ou imagine la chance que Onena attend, m'y revient, la porte elle a la ouvert. Viens pas dire à moi en mode de, ouais Lulu, ou imagine même pas la chance que Onena d'être diffusée sur la télé grâce à nous. Télécréole, où on aura des followers. Grâce à nous, où on aura des vues. Grâce à nous, on aura beaucoup plus d'abonnés. Non. La communauté d'un humoriste se fait par son travail. Parce que moi, on a les statistiques sur mon YouTube. La montée ou la descente de mes vues sur mon YouTube, c'est ma faute. C'est pas parce que mes vidéos les sur la Télécréole là que Missa croise mes deux bras et Missa attend. N'est-ce pas, Dylan? Hein? Qui trouve du cul à moi tous les jours, Lucie, quand on fait une vidéo. Hein? Ou a fait une bonne abonnée quand on fait plus de vidéos? Voilà, alors, Télécréole, ce qu'il faut retenir, oui, ça n'a pas demandé à moi l'autorisation. Et oui, mes vidéos les diffusées sur votre télé. Maintenant, si tu veux plus diffuser mes vidéos après cette vidéo-là, elle n'est pas grave, au contraire. Encore si Zotsi diffuse des vidéos humoristiques, mais Zotsi diffuse mes vlogs, c'est quoi le but hein? Mes vlogs, ils durent 30 à 20 minutes, comme ça Zotsi comprend à mettre un vlog. Un vlog, c'est pas une vidéo humoristique, c'est un vlog. Mais j'espère vraiment que ça ne pas prendre la colère contre moi, parce que June, me laisse Zotsi utilise mes vidéos. Donc, ça n'a point de quoi être en colère. Et de deux, la qualité des clips, c'est pas ça. Là, le décalage d'image et voix, c'est de la merdasse. Et que Zona a le droit aussi de critiquer mes vidéos, n'a point aucun souci. Au contraire, viens critiquer mes vidéos. Viens. Après, c'est des critiques constructives, comme nous dit. Hein. Mais j'espère que par la suite,
je vais faire en sorte justement que la qualité d'image sur la télé sera meilleure. Bon les amis, je finis cette vidéo là même. Je retrouve à vous prochainement dans une autre vidéo. Je fais à vous des énormes gros bisous. Et je retrouve à vous dans les commentaires. Bien sans vous. A bientôt. Bye bye.